So ironic. Do you see it? Hey. Look at this fancy chair. Donc là on est vraiment sur la Burgernomie, donc ça c'est le Pigeonneau, le burger qui a gagné le championnat de France des burgers. Donc là on vise, maintenant on va aller s'inscrire pour le au CIRA, ils font un World Burger Contest qui passe devant 12 meufs. Donc là on est vraiment dans la gastronomie française, ouais. Et ils ont fait un truc pour les burgers et on a trouvé ça génial. Can we start? Okay guys, hi everyone, welcome back to my channel, I am Mary and today as I told you, I'm here to taste a burger, a French burger, but not just a random French burger. It's a gastronomie. How can I actually, a bistronomie, a bistronome, I don't know, burger, which is another step from the just regular burger. Actually, a few another steps, you know. We just ordered. I have to say the waitress is adorable. She's beautiful, she has beautiful blue eyes. Well, that was just my thoughts. But you're gonna see my burger coming in a very original way. So I'm excited to see that. It's a secret for now. Guys, I wish you could like be here in this, you know, like atmosphere. Let me taste it. Wouah, ça sent de ouf la violette. Wouah, this is so refreshing. Wow, it's good. J'amène l'assiette parce qu'en fait, okay. On va apporter la cloche. On va faire une bouchée. Wouah, trop bien. Il est superbe, franchement incroyable. I'm so excited, it's gonna be so cool. Wow. Ah oui, donc la cloche, c'était la cloche, hein? Eh oui, la cloche. Wow! Ok. Oh my god. Wow. It's so fancy. Wow, merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Everything is just so fancy here. Look at that! I mean, I'm not a professional for French cuisine for sure, you know, far from that actually, but I mean, look at this! Even like the service is just so awesome. Or maybe just because I'm not used, I don't know. Yeah. Let's just taste it, okay? I'm going. Let's start, guys! It's, well, let's be honest, I'm afraid of doing something wrong because it's so just fancy and beautiful. I feel like I'm just gonna, you know, messed up everything, but let's just go. Okay, let's taste the meat first. Wow. Wow. Just wow. Okay, so those are fruits. Mmm,
Wow. Mm. Babe, this sauce is wow. Mm. Incredible. I'm in paradise. It's delicious. I definitely have to say I never tasted something that good. You need to taste, babe. It's wonderful. My God, you need to taste. How it is? Good. It's good? But I prefer you. Really? Yes. Aha, I took the best one. So guys, I'm back. I'm completely tired and full because of, I think it's the weather, the temperature are extremely hot today. We're waiting like for thunderstorms. But I'm full because I ate a lot too. Actually, in the end, we exchanged plates with my boyfriend and he finished my meal, but even though I ate a lot. So what did I want to say? It was good. It was extremely good. It was probably the best burgers I ate. What about you, babe? Did you like them? So ma'am, sorry, but those burgers were awesome, and they're the best one that I tasted, that I ever tasted. I had to say that the meat was extremely well cooked. Everything was fresh, was so flavory, and what can I add? It was just heaven. No, honestly guys, it was heaven. I extremely highly recommend this place, and yeah, this cocktail is amazing too. I can say that I really appreciated this meal, and the fact that, you know, the atmosphere is amazing, the food was just amazing. Yeah, amazing, really. It's a big thumbs up. Yeah. Donc l'aventure a démarré en 2013 avec un petit food truck. Ok, ah, ouais. C'est sympa ça. Ouais, et c'était l'époque du food truck, donc c'était le premier à Tours. Il a été très attendu et quand il est arrivé, ça a cartonné. Et un an après, on a pu monter le resto très rapidement. Ouais. Il faut savoir que la crise nous a aidé à tester d'autres business models, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et en fait, on en a développé un qui est vraiment essentiel pour toucher l'ensemble de la population et qui permet d'accéder à tout le monde. Et là où il faut jouer le plus, c'est sur le prix. Donc une fois qu'on a la qualité, qu'on a le sourcing, c'est ce que je vous disais, et qu'on rajoute le prix, du coup, on peut toucher tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait en 2020. Pendant toute l'année, donc on va mettre sous pression en fait le business model pour aller chercher tous les endroits où qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. À la fin de l'année, si ça fonctionne, on en crée le plus possible en France, donc ça va être dans la région, autour, avec une centrale d'achat, etc. Donc on remet une deuxième fois le business sous pression pour en déceler tous les problèmes. Et si ça fonctionne, en 2025, donc du coup c'est le cap qui a été défini avec les associés, on se développe à l'étranger, puisque forcément la marque Frenchie à l'étranger, qui en plus fait du burger, normalement ça devrait marcher. Trois modèles, hein, encore une fois, ça va être la Burgernomie, qui elle sera un vrai restaurant haut de gamme, avec des produits haut de gamme, enfin surtout une présentation, etc., qui va être haut de gamme. Le Smart Food, qui permet, lui, d'accéder à tout le monde et faire plaisir à tout le monde, d'un point de vue roboratif surtout, c'est-à-dire qu'on doit nourrir les gens, mais de la bonne façon. Et puis après, les sauces Frenchies & Co., où on peut faire ces sauces, ces burgers chez soi. Deux fois toujours, les frites, c'est deux fois. Donc un premier bain, il faut savoir que l'eau s'évapore à 110 degrés, donc il n'y a pas besoin de les mettre à plus de 110-120. Pour une question de rapidité, vous pouvez les mettre à 160. Nous, on les met entre 6 et 7 minutes, à 150-160 degrés. Et après, au moment de l'envoi, là, il faut, la frite est cuite, blanchie, ce qu'on appelle. Et là, il faut les faire saisir, donc 180-200 degrés. C'est très rapide, on les met dedans, ça dure 1 minute, 2 minutes maximum, pour juste faire croustiller l'extérieur, on les sort tout de suite, on les sale et on les envoie plus rapidement au client avant qu'elles se dessèchent. Waouh, faut avoir le coup de main, en fait. Ouais, c'est de la cuisine. Okay.
L'idée déjà, c'est de remettre les cocktails au goût du jour et surtout remettre les bons alcools au goût du jour. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les bars, on commence un peu trop facilement à utiliser des alcools industriels qui sont pas forcément bons pour la santé. Il y en a qui sont bourrés de sucre, il y en a qui sont même mauvais pour cérébralement, enfin qui créent des déficiences. Donc il est important aujourd'hui, et c'est en pleine vogue, de remettre des alcools au goût du jour. Et on s'aperçoit qu'en France, et notamment au travers du Collège culinaire de France, il y a beaucoup de maisons, de distilleries et de brasseries qui se mettent à travailler d'excellents produits. Et nous, c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on permet aux clients de découvrir ces produits qui ne sont pas forcément connus, parce que déjà pas vendus en grande surface. Et donc, on essaie de travailler et présenter ces produits-là. Donc, les cocktails, ça va rester à l'ordre du jour. Oui. C'est cool.